Très content d'être là parce que c'est l'une des rares fois où vraiment quand j'annonce une date en Afrique, je reçois autant de messages, que ce soit du peuple résident ici, de Guinéens qui sont en France, de Guinéens du monde entier, mais aussi de d'autres peuples, d'amis à moi, de Martiniquais, de Camerounais, de peu importe, qui me disent: frérot, ça va être vraiment chaud là-bas. Donc vraiment, je suis très excité à l'idée de rencontrer le public parce que cette énergie qu'on m'a envoyée, on me l'a rarement envoyée en Afrique. J'en ai fait quand même des pays en Afrique où on m'a dit ça va être bien, ça va être cool. Mais c'était souvent les gens de ce pays-là qui me disaient: tu sais, nous on est le meilleur public. Là, même des gens d'ailleurs qui me disent que les Guinéens, frérot, t'es pas prêt. Donc j'espère qu'en effet, je suis pas prêt et que ça va bien se passer. Après moi, qu'est-ce que j'ai à promettre? Je pense que c'est pas quelque chose qui se promet, c'est quelque chose qui se vit directement si le concert se fait et se fait dans les règles de l'art. C'est parce que les gens savent déjà ce que je fais, donc je vais juste donner ce que je sais faire, tu vois. Il n'y a pas de promesse à faire, je pense. Il y a juste de la musique à donner et du bon temps à passer. Ce qu'on fait, c'est de la musique, c'est de la joie, c'est du divertissement avant tout, donc pas de prise de tête et que de l'amour, que de la passion. En tout cas, je suis très content d'être là. Je devais être là déjà l'année dernière, ça s'est pas fait. On était dégoûtés et là, on est là et je vous attends au tournant, tout comme vous m'attendez au tournant, donc ça va bien se passer. Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir à Conakry M. Taïki de Taïk, donc artiste international français, originaire de l'Afrique quand même, donc du Cameroun. On est content aujourd'hui de pouvoir faire face à vous autres, donc la presse guinéenne, vous qui toujours donnez de la force aux œuvres artistiques ici, vous qui êtes toujours là à nos côtés, chemin les prods pour rendre magnifique et grand tout ce que l'on propose. Donc, je commence par vous remercier et vous dire désolé pour ce petit retard qu'on a accusé. Aujourd'hui, on ne va pas trop compliquer les choses. C'est qu'on a décidé de proposer un projet. Le projet, c'est Taïk, un artiste qui marche fort, un artiste qui est bien aimé par les Guinéens. Pour nous, c'était de dire: ok, la Guinée aime bien ce monsieur. Écoute, Taïk, il faut qu'on te fasse découvrir notre beau pays. Il faut qu'on te fasse découvrir les belles Guinéennes et surtout notre chaleureux public. Et voilà, comme je le disais dans la voiture depuis l'aéroport, je l'ai dit, c'est le meilleur public au monde. Donc aujourd'hui, l'objectif pour nous, tout ce qu'on met en œuvre, c'est pour pouvoir servir ce public et offrir à la jeunesse guinéenne des moments de détente en ces temps quand même assez tendus, de transition et tout. C'est ramener un peu de gaieté d'épanouissement aussi. Chez les jeunes en tout cas de la Guinée. Donc, je ne vais pas être long. C'est l'occasion pour moi de dire que la culture en général en Guinée difficilement arrive à poser de grands concerts, arrive difficilement à faire des choses. Aujourd'hui, on arrive à faire Taïk et à le faire à une certaine dimension parce qu'il y a des gens qui ont cru en nous, qui croient en la Guinée, qui croient en la jeunesse guinéenne. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de dire merci à Winning Consortium Simandou, donc WCS, pour leur participation. Last minute, ils ont embarqué sur le bateau et ça vient donner beaucoup de qualité à tout ce qu'on fait. Ça vient nous donner plus de force. C'est l'occasion aussi pour moi de dire grand merci à notre partenaire traditionnel, Orange Guinée, qui nous suit sur la plupart de nos événements, et Orange Money aujourd'hui qui nous permet de faire des ventes via leur plateforme. Merci à Orange Money et merci à Sodibec qui est toujours là à nos côtés via son directeur général Mouda et aussi son président Bakary Diaby. Des jeunes Guinéens qui ont envie de faire des choses ici, comme on dit qu'il est possible d'entreprendre et de réussir ici. Donc merci à vous aussi. Merci à Guinée Games, on a plein de partenaires Guinée Games. Merci à la Fondation KPC et surtout, merci aux artistes guinéens dans tout leur monde, sans différence. Parce qu'aujourd'hui, si on se permet de faire des concerts de 20 000, 30 000 personnes en Guinée, c'est parce qu'il y a des artistes actifs ici qui font plaisir à la jeunesse, qui font qu'ils aiment la musique, ce qui peut permettre que les Thaïs peuvent venir ici et d'autres peuvent venir. Donc, sur ce président, je dis grand merci à Monsieur Azaya. Encore vraiment merci à Azaya. Un coup de fil, frère, il faut que tu sois sur le concert. Tout ce que tu dis, je suis d'accord. Le label ne voulait pas encore qu'il joue, tout et tout. Il y avait beaucoup de trucs. Il a parlé au label. Le label, ils ont compris. Ils le suivent à 100%. Merci à Kézi. Merci à Azaya. Merci, madame.
Jenny Kawabintu, pour être sur ce projet. Hein. Merci à mon fiston, à Anna Kilagouane. Félicitations. Hein. Il vient juste de faire 30 000 personnes la semaine dernière à son concert. Bravo, félicitations. Donc, c'est ça, les artistes guinéens sont dans le projet, au cœur du projet. Donc, merci à tous ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Donc, sur ce, Taï, on te souhaite la bienvenue chez nous, avec toute son équipe. Bienvenue en Guinée. Merci beaucoup.